envoyer le Minotaure dans cette petite novella pour la tester. Donc, j'estime raisonnable de lui envoyer Thésée pour lui venir en aide. Thésée n'arrivera même pas à mener à bien sa mission. Comment oses-tu remettre en cause mon pouvoir? Je dis ce que je pense. Un, deux, trois, soleil. Novella, il est temps que je t'apprenne à te battre. Prends ça. Fais ce que je te dis. Défense. Attaque. Défense avec les boutons. Regarde, finalement, l'aide de Thésée n'a pas été si inutile. Elle pourra très bien combattre contre le Minotaure. Il en saute ainsi. Novella, tu l'as vaincu. Je m'incline. Mais où est ma maison? Pourquoi elle est en ruine? C'est beau, mais... Oh, ma poupée! Novella, moi Vezuna, déesse de ces lieux, je te prie de m'écouter. Si tu désires rentrer chez toi, alors tu dois retrouver 6 objets. Tu auras seulement 3 chances. Si tu échoues, Novella, alors tu partiras en poussière. Qu'est-ce qu'il y a? T'as perdu quelque chose? Je sais pas quoi faire. Je dois retrouver des objets appartenant à ma famille. La toupie de mon frère, la broche de ma mère, le couteau de mon père, ma dinette et l'épingle de ma nourrice. Je peux pas faire. On va chercher avec toi. Manque la broche. Bon. Faut que j'en essaye deux. C'est pas celui-là. Non plus. Faut que je trouve cette broche. Grand Jupiter, dieu de tous les dieux, maître de ma destinée, moi, Novella, humble mortel soumise à ta volonté, je t'implore de m'aider à retourner dans mon époque. Je suis là. Soulève la pierre. Je rentre à la maison.